Simi. Ah! Et mon y'a couille. Mais c'est là, n'a pas sorti avec nous. Nous, ça va passer là. Souterra suit. Bandi Axam pas décidé chômer. Nous connaissons ça fait un bon bout de temps. Si monsieur ça, c'est eux qui dirigent la zone métropolitaine pour nous partir tout le pays. Et bien, mesdames et messieurs, hier encore, bagarre a été dégénéré dans le Fort National, dans la zone Solino, tout Delma 19, Delma 18, Delma 24. T'es obligé sous tension, n'en parlant pas pour mon nation sans m'y éteindre. Bagala compliqué et tout le monde a demandé qui côté bagay ça a pralé. Est-ce que l'État haïtien pas décidément dit un mot pour peuple haïtien qui trouve dans une situation pareille? Ou a gardé moun yo là sans m'y éteindre, cap courir sous écran, cap quitter la caillou, mesdames et messieurs. Pour que vous-même, vous pas victime en bas coup de balle bandit, côté nek belé, décidé envahir ti monsieur Solino yo, parce que nous connaissons, dernier temps ça yo, vraiment, te gagné un la paix qui te dit, qui fait dans zone Badelma avec belé, nous gagné une tension cap développer, grand tension cap monter dernier temps ça yo dans Solino mesdames et messieurs, et nous connaissons bien ces petit monsieur Beléo qui envahit Solino dans l'idée pour prendre contrôle zone si là et déjà gagné en pile monde qui mouri dans cadre affrontement ça dans cadre attaque si là côté gagné policier et nous songer professeur Fortuny qui lui-même perdu la ville solo qui c'est un professeur dans l'université l'état qui arrivé mouri en bas coup de balle bandi non, eh bien, zone Solino, bagala compliqué. Et hier encore, moun yo continue à courir, yo continue à marcher sans destination pendant ce temps. Messieurs, dames, dans l'état, yo fait carré à dialoguer qui pas déboucher sur rien, yon dialogue qui pas jamais fini. Et autorité yo semble pas gen bonne volonté, quel que soit si ta parlé que ta fait pour ta gagner yon amélioration, yon alimye, autorité pas bon ici pas décidé, mesdames et messieurs. Pendant n'a parlé de insécurité, pendant n'a parlé de attaque négatif, et bien la police n'en bon parle, la fait marche pour le mandé la paix, pour mandé sécurité, mesdames et messieurs. Hier, dans Kafou, yon série policiers qui n'en commune nan mette à population civile là te marché avec pancarte nan main pour te lancer des messages, lancer message pour média, lancer message pour autorité ou pour faire connait mesdames et messieurs bagala li pa douce nan Kafou et faut gagner la paix qui fait yo mandé la paix, yo mandé tout monde qui nan zone nan pour yo contribuer à ce que la paix capable régner nan Kafou, parce que selon eux même Kafou pa jam kon nan désordre, yo pa d'accord pour que yon série média ou même ap et sale image Kafou, sinon ouais nan et mes pancartes qui nan men policier yo lancé yon message par média, yo mandé média pour vérifier ça a dit avant yo même yo bay message ou encore yo bay yon nouvelle sou Kafou, parce que yo konn Kafou yo a bien Kafou pa gen desordre, si nou kwè et mais la police et ou encore policier ça qui nan Kafou qui te décidé faire une marche pour mandé la paix, mandé sécurité, alors que nous connaissons yo même qui là pour ta mettre la paix, c'est eux même qui là pour ta contribuer pour que la paix règne dans pays nan et Kafou précisément. Yo même yo pas à la hauteur, yo senti la vie yo menacée, yo arrivé eh bien prend la presse pour yo prend la rien pour envoyer message là, aller pour lancer parole là pour dire yo même yo pas dans désordre, yo pas dans question guerre, faut que la paix dans Kafou amis internautes. En tout cas, tout le monde estime, même policier ça yo même yo contribué dans désordre qui est dans Kafou. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous connaissons gagné pasteur Gérald Bataille lui-même qui arrivé perdu la ville hier soir pour vrai matin là
côté que mesdames et messieurs, eh bien avec un malaise li te gagné pendant ta prêche hier dimanche là, mesdames et messieurs, te couri Benamus avec si nous ka kwe et un proche li qui t'a témoigné li baie information comme quoi mes prophètes et directeur de l'université ou encore recteur de l'université Yavinusia, qui c'est Gérald Bataille, professeur ça, t'es senti un malaise pendant t'a prêché et t'es couru l'hôpital avec et t'a pral regain contrôle, t'a pral rien en forme, mais par la suite, c'est chicli qui t'a pral monté, t'a pral passer de vie à tripa. Mesdames et messieurs, pasteur Gérald Bataille, qui c'est? Eh bien, yon et pasteur qui fait non dans milieu, lui-même qui responsable plusieurs écoles avec université dans le pays d'Haïti, notamment université Avenissi, qui lui-même a dirigé par pasteur Gérald Bataille, mesdames et messieurs, et pasteur ça tout nous connaît et gagne une zone dans pays à qui porter non pasteur Gérald Bataille, mesdames et messieurs, en pile monde pas connaît si monsieur ça était vivant toujours, mais li mouri à l'âge de 67 ans si nous ka kwè yon proche li, mesdames et messieurs. Baga la compliqué, mais qui te me dit tout pasteur ça non te cité nan eh bien moun ki t'a comploté pour assassiner président Jovenel Moïse. Nous connaissons, mesdames et messieurs, qui témoigne la Kaili 7 juillet 2021. Plusieurs enquêtes révélées que pasteur Gérald Bataille, même Jean et pasteur Forge, yo même yo te nan lan mort Jovenel, yo te contribué nan assassinat Jovenel Moïse. Et 20 mars qui saute passé là, gagné juge Walter Wissev Voltaire qui t'a décidé auditionner pasteur Gérald Bataille, même Jean avec pasteur Forge, sous dossier qui gagne pour assassinat ancien président que yo t'a reproché Mounsao comme quoi yo t'a impliqué dans assassinat, mesdames et messieurs. En tout cas, eh bien pasteur lui-même qui quitte nous sans que li parti ça le connaît sous assassinat président Jovenel Moïse, sans que li pas révélé nous à moins que arrivé les juges instruction sous dossier, mais comme nous connaissons instruction secrète, si tu gagnes une révélation, c'est juge la table qu'on est seulement, c'est juge instructeur table qu'on est, mais nous pensons tout si tu gagnes une révélation, juge là l'étape procéder avec des arrestations ou encore des nouvelles invitations sous et bien et référence pasteur Gérald Bataille, mesdames et messieurs. En tout cas, monsieur Ali Ali, non pas briouel sous bout de ça encore, mais en pile monde qui était proche lui témoigner monsieur ça, c'est un papa bon cœur, c'est un monde qui t'a servi communauté dans façon li capable, et ça témoigner avec plusieurs écoles lui même li gagné sous bout de papa de Saline là, li gagné dans Oukay, li gagné dans Port-au-Prince, c'est tout côté monsieur ça li t'a fait et bien parler de lui. On a avancé pour nous dire tension a continué à monter, mesdames et messieurs, non eh bien frontière Waramet d'Abon non côté que mesdames et messieurs gagné un canal cap et fouillé depuis un bon bout de temps. Nous connaissons Jovenel qui a commencé avec construction canal ça, eh bien après non mon Jovenel construction tabral campé, mais gagné un groupe et citoyens qui décide des amis internautes pour que yo continuer avec construction ça, parce que yo même yo dans le besoin, y a demandé de l'eau, y a besoin de faire agriculture dans la zone, mais y a pas jamais joindre le bras des autorités. Finalement, y a décidé prendre destin en main pour que y ait fait travail là. Pourquoi y a mais gagné gros tension côté autorité dominicaine, y a pas trop d'accord avec construction canal là. Y a même lagué d'où y a les mettez soldats à terre pour venir intimider haïtiens, yo même cap coller pieds avec bon samaritain pour yo construire canal ça, parce que selon eux même si canal la construit, y a capable bailler tête yo manger dans zone là, y a capable et bien irriguer une série de terres pour travail, mesdames et messieurs, pour faire agriculture. C'est dans même moment ça Luis Abinader lui-même lui convoquer
un conseil des ministres pour que yo chita sur question Haïti parce que ça qui passé dans pays d'Haïti li vraiment intéressé Luis Abinader li pas ka camper a garder c'est dans sens ça li décider convoquer conseil sécurité pour même yo garder si yo ka joindre une solution avec crise haïtienne mesdames et messieurs. En tout cas en pile monde capable estimer c'est une fréquence pour que Luis Abinader la Kaili l'a convoqué conseil sécurité pendant ce temps autorité pa bo ici yo cap victime qui yo même qui la pour ta bonne sécurité a yo pas fait rien même yo conseil yo pas fait pour que yo constate ou encore pour yo prendre des mesures avec sa cap traverser pays d'Haïti a qui t'aime dire c'est toujours un plaisir pour que nous intervenions nous arrivons dans moment pour nous plier bagage qui t'aime tout aller dans la prochaine émission. En 2022, et vous même vous dans pour parler ou bien vous sous table dialogue qui a fait là, qui a déroulé là, souvelé depuis pratiquement mois juin, avec bien entendu rencontre qui était faite Jamaïque là. Sous l'obédience CARICOM te retourné dans pays a yo te entendu yo sous un cadre dialogue CARICOM retourné là pour troisième fois et est-ce que nous sous là pour qu'on ait un autre échec avec médiateur ou avec émissaire puisque hier yon grande rencontre qui te prévoit nous te dit tout au début édition entre différents protagonistes en séance plénière malheureusement rencontre ça t'est avorté ça pas empêché que émissaire CARICOM yo te rencontré et monsieur dame signataire consensus 21 décembre qui ça te dit qui ça fait et qui a venir pour parler ça yo puisque nous connaît délégation l'a quitté pays le 10 septembre qui vient là soit dimanche et bien pour nous parler de ça matin nous pral recevoir Joshmi Jean-Baptiste ensemble avec Pascal Adrien du mouvement national tout uni avec parti non aligné yo même qui pral aider nous comprendre Piclet, ça qui t'est passé hier et ça qui vient pour passer dans les prochaines 24 heures. Bonjour Joshmi, bonjour Pascal, nous content gagner nous monsieur sur Antenne Caraïbes FM matin dans l'espace première occasion. Bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Guerrier Dieu seul, bonjour à tout auditeur, auditrice Grand Boulevard et bonjour à tout peuple haïtien qui a besoin d'un moment extrêmement difficile, son plaisir pour nous matin encore. Nous sommes capables de placer le mot, nous, on parle d'équilibre, on parle d'espoir, on parle d'engagement et qui bourre à courage pour que nous sommes capables de tenter, et le peu qu'il soit, et changer dynamique et chaos ça, qui a installé sous le pays. Merci pour l'invitation. Bonjour Pascal. Bonjour Johnny, bonjour Guerrier, bonjour Joshua, bonjour à tout le peuple haïtien. Merci un peu pour l'invitation. En pile monde t'es sceptique, en pile monde tout qui t'es très optimiste, qui t'es quoi que t'es qu'à un dernier coup de crayon fait là et que bon accord qui joigne entre différents protagonistes sur la route pour chercher solution à crise pluridimensionnelle, ça paye à qu'on est là. Mais à ce qu'il paraît, dernière nouvelle, y a pas réjouissante du tout et semblait nos partis là pour on l'a retrouvé que t'as perdu puisque acteur arrive Antonio voir pour t'as signé un document ensemble. Qui ça qui expliquait blocage hier, nous t'es dû parler avec toute protagoniste ensemble, gain on l'autre partie qui lui-même fait des exigences qui pas correspecté et en plus mon a dit est-ce qu'il y a bien accord ou pas vous autres signataires consensus 21 décembre qui ça nous capable bail comme explication par rapport à ça qui passé hier là. Merci Johnny. Premier ça n'a dit c'est que nous autres et membres du mouvement national pour la transparence qui fait partie du regroupement des non-alliés, nous sommes optimistes et nous le resterons toujours par volonté. Ça veut dire qu'on a toujours été disponibles quand il s'agit de participer, contribuer à tout processus qu'il a pour résoudre la crise politique haïtienne par le dialogue. Permettre que avant de rentrer d'emblée dans la question, Johnny, mais rappeler pour tout le monde. Quand nous sommes arrivés à Jamaïque, c'était toute la classe politique qui était là. Dans son ensemble, c'est capable de gagner quelques absences, mais tout le temps dans ce que tu représentais. Leurs deux propositions étaient finies, étaient sous table. Moi, j'étais des amis opposition qui te dit à un certain moment, il s'agit d'une question de pouvoir, c'est pas une question de collège, c'est pas une question de ACT, c'est une question de pouvoir, c'est une question de gouvernance. Et même que structure de gouvernance qui va le côté, qui est le bon côté pour le ministère, il y a plus de pouvoir.
les émissaires de la CARICOM d'entrée de jeu de nous autres du consensus du 21 décembre, nous dit, lui nous te dit que nous parions pour nous ouvrir au conseil là. Collègues nous ont dit eux-mêmes, ils pas d'accord parce que au conseil ça ouais là pas gagné assez de pouvoir. Et bien pour une fois nous font deuxième consensus, nous font deuxième ouverture. Un mois après garder ouverture là, on garder mission à CTA. Et là nous dit mission c'est ensemble de prérogatives que n'a pas l'attribuer. Maintenant nos chers amis de l'opposition qui malheureusement ils ont une stratégie que eux-mêmes seuls ils ont maîtrisé. Yo pas jamais rentré dans parti ça qui c'est un garde prérogative. On dit qu'on besoin prérogative présidentielle pour accepter ou bien pour collège là. On entre dans prérogative, là pas rentré là-dedans. Yo a fait temps passé, yo a fait temps passé et malgré mon gars comme yo aller au titre nous avec possibilité pour continuer parler, le mon gars comme yo tourner encore sur un troisième round, nous même encore au niveau du 21 décembre sous leadership premier ministre nous dit encore une fois, s'il peut faire d'autres concessions, depuis que nous avons une volonté, nous mettons à faire concession. Et bien, c'est à notre grand étonnement, nous arriver le 6 et septembre, dans une première rencontre, côté que les émissaires nous ont dit très clairement que nous, dans l'opposition, dans la rencontre par Yoa, ils ont dit d'abord, pour que nous avancions dans la dynamique de résolution de la crise, il faut la démission du Premier ministre Ariel Henry. Mes amis, comment pour nous faire nos négociations politiques qui vient la donne deux groupes d'interlocuteurs? Sur qui base? À qui légitimité? À qui pouvoir que un interlocuteur décide que la éliminons l'autre interlocuteur? Non, non, il y a dit faut mettre le sous table discussion. À un certain moment, est-ce que c'est mettre le sous table discussion yo, ou bien c'est condition sine qua non pour même chita valer? On dit ça pour la République. Premièrement, il a notifié émissaire CARICOM que yo même jodia dans stade Rivière là la solution de la crise doit passer par la démission du premier ministre Ariel Henry. Là nous rive dans réunion pas bien rencontre dans la matinée, rencontre nous dans l'après-midi. Là nous rive dans réunion Johnny Ferdinand guerrier Dieu seul, tout auditeur à auditrice Radio Caraïbe. Personnalité éminente dit nous mais qui ça mon opposition dit qui ça nous pense nous dit nous-mêmes. Comme nous connaissons une stratégie de combat, on monde qui nous bataille avant de salver. Mais nous autres, comme nous qui croyons dans le débat, comme nous qui croyons dans le dialogue, si on croit que nous sommes capables d'argumenter la question de mission, on nous vient pour nous débattre ensemble. Johnny, je dis ça comme vérité. Là, nous finissons de dire ça. Il y a des gens le 21 décembre qui ont dit si vous même seul, vous êtes d'accord avec ça dans la question de débat, non? Ça veut dire que nous sommes d'accord à 2h le 6 que nous avons rencontré à 1h pour nous faire plaisir à côté chaque groupe qui a venu. À 11h45, c'est pas moi qui dis, non, c'est l'ancien premier ministre Anthony qui dit à 11h45 qu'ils recevront l'aide. M. David dit, faut que vous ayez 6 personnes qui viennent dans la négociation. Hein? Deux fois, vous avez 6 lots ou 8 lots parce que vous n'avez pas fait l'autre confiance. Donc, vous n'avez pas qu'à quitter personne qui vient discuter pour vous. Faut que vous soyez dans la salle là pour vous faire battre. Et deuxième condition, vous dites, pour vous venir dans la réunion à 1h, faut que le premier ministre là, il notifie ça à 11h, passé 30 minutes. Pour nous-mêmes, du 21 décembre, nous n'avons pas quel problème. Ça, nous finalement comprenons, c'est que l'opposition politique, à chaque fois, elle a venu avec des éléments nouveaux. Tout ceci, c'est pour faire quoi? C'est pour faire passer le temps, de façon à ce que la crise continue à empirer. Et tout empirer, la crise va empirer à la profitable à monde qui passe au pouvoir, parce que de vous passer au pouvoir, un chien mourir dans la rue, c'est pas ou responsable. Un cabri pour un couteau dans la rue, c'est nec qui sous pouvoir responsable. Tout un dynamique chaos qui là a plein place, a entré pifon, c'est pouvoir la pas faibli. Et tout à ce pifon pouvoir, ça l'a profité à un groupe de monde. Voilà pourquoi nous autres, au niveau du 21 décembre, nous déplorons l'attitude ça. Mais nous pas qu'à jouer les amis, puisque c'est pour une stratégie politique. Nous avons continué à être ouverts, mais pas oublier. Dans l'accord 21 décembre, Johnny Ferdinand guerrier tout seul, accepté à te pour le dialogue. Le gouvernement, le conseil des ministres, le premier ministre, les signataires de l'accord, nous sommes obligés d'avancer dans la question de gouvernance là, en laissant ouverte la porte du dialogue, mais un dialogue qui désormais doit piloter par le conseil de la transition. Parce que si nous entrons dans la pièce, si nous entrons dans le tunnel, nous continuons à croire que les amis nous, il y
qui a voulu un accord. Pendant chaque jour passé, il a posé des actions qui a montré plus que vous pas voulu avancer. Pays a disparu dans mes nous et le ça, c'est monde qui sous pouvoir qui a pris des responsabilités. Nous avons le devoir une fois pour toutes d'avancer. Jean-Smith Jean-Baptiste, qu'est-ce qui empêchait le Premier ministre en présent dans la discussion? Écoutez, je parle même bon temps pour le Premier ministre en présent. Ou bon réunion à 1h guerrier du sel, à 11h, le dalle là nous à 1h moins 10, 1h moins, moins 20, moins 15, quelque chose comme ça, nous parlez personne. Nous parlez personne et nous allons recevoir un petit message de mon carré comme nous qui dit nous et nous mettons déplacés et nous avons démarré à 2h30. C'est le moment à 2h30 qui nous donne une nouvelle là, oui. Qui vient pour nous faire venir pour le ministre? Ça veut dire, il n'y a pas même venir dans l'espace là, non, il y a deux seuls. Il n'y a pas même venir. Alors que hier, dans la journée, on fait près de 50 ans à discuter à mon carré comme yo. Il y a été qu'à notifier ça, nous-mêmes là, il y a assis à 2 heures, le nuit, qu'on a mon carré comme d'habitude. Mais qui condition, il y a opposition en ministre pour faire un compte. Mais je dis là, tout le temps à discuter, il n'y a pas discuté. Et puis le lendemain, 2 heures avant un compte là, il y a mis ton question sur bloqué pour ce soir. Jean-Baptiste, peut-être nous comprenons c'est capable on stratégie, mais et puisque délégation CARICOM nan li a bien pour quitter pays c'est dimanche. Ouais, jeudi à vendredi, qui ça qu'a fait entre-temps, est-ce que pas gagné possibilité pour que nous satisfaire on dit exigence groupe en face là qui ont même souhaité que Premier ministre là il a physiquement. Est-ce que pas une possibilité comme ça? Bon, hier allez-y, Pascal. Oui, c'est sûr que nous ne sommes pas capables de remplacer le médiateur là. Car il a besoin de rôle de médiation. Et jusqu'à présent, 21 décembre, fait preuve de bonne foi. Parce que, un, il est toujours présent. Deux, il est toujours respecté, réjouette là. Et trois, il est toujours assuré que même le n'est pas d'accord, il est respecté par ce qui est en face là. Maintenant, l'avenir de la poursuite de médiation ça, lui clair que yon bon parti là dans lui nan main éminente personnalité yo, qui certainement lui-même yo gagne des appartements par yo tout, qui certainement lui-même yo prend note de comportement chaque acteur tout. Mais je dis à guerrier pour mon capitaine de yo, ça qui est extrêmement fondamental dans toute réalité que Josh me fait là, c'est que le pays a un cas extrêmement difficile, côté que toute petite li supposé faire dépassement pour chita autour de notre table, pour nous voir une solution appropriée par rapport à la majorité qui a souffert, il y a des gens dans la partie qui vivent, malgré toute souffrance population, lever qui t'étape chita palia, lever qui t'étape négociation. C'est un bagage qui est extrêmement important pour les Haïtiens comprendre dans la minute même que nous écrit là. Et je ne pas aujourd'hui, guerrier, nous pas de passer sous silence. Ça qu'a fait là, il n'y a pas nouveau. Stratégie fait passer temps pour arriver pour une situation là. C'est presque un constat historique lié à la bataille politique. Yo. Voilà pourquoi je vous dis à nous-mêmes comme jeunes qui faisons politique, nous te pensons que en 2023, là nous rendons compte que stratégie ça n'a pas gagné l'autre bagaille que le côté, que carré, que misère, que souffrance pour la majorité. Ya. Nous te pensons que acteurs, nous avons pris un côté, nous armés ou de patriotisme pour nous dire si une stratégie n'a pas jamais beau des résultats pour les Haïtiens. Aujourd'hui, dans la situation dénuement extrême que la majorité a là, on change stratégie, on change fusil d'épaule. Malheureusement, ce n'est pas ça que nous remarquons. Et on va aller rendre compte que non seulement ils ont demandé démission au Premier ministre, hein, qui c'est déjà le refus de chita parler, le refus de dialogue, mais deuxièmement, ils ont assuré, c'est à quelques 2 heures de rencontre hier là, que l'on notifie CARICOM, condition sine qua non pour participer, et on pas même honoré Hôtel Montana de présence, voire pour avoir dans respect pour 21 décembre, chita par ensemble avec nous pour dire 1, 2, 3, 4, l'autre chita pour nous, mais qui j'en apprécie la situation, et mais qui s'en attendent de nous-mêmes pour que ensemble, en nous responsables, nous voyons une solution par rapport à la crise là. Donc cette stratégie qui fait, c'est fait par ces temps, parce que dans la minute que l'on a parlé là, situation de chaos, situation de gang qui a trouvé le monde dans le pays. Pendant que y a des acteurs, situation ça fait au mal, pendant que y a des efforts qui ont fait au niveau du gouvernement pour achat de matériel et d'équipement, pour permettre que la police nationale soit capable de tomber la population en confiance, il y a des acteurs qui disent
tout autant que situation ça perdure, ça fait leur affaire. Ça va un discours politique. Ça permet que yo capable de parler dans la radio pour acculer le pouvoir là. Donc si y a le chita pour nous tendre la main à 21 décembre pour nous joindre une résolution pacifique à crise là, eh bien ça a retiré le narratif politique de la bouche. Ça permet que bon situation d'apaisement et situation d'apaisement ça. Dans l'agenda politique que vous gagnez, il est clair que contraire à intérêt. Voilà pourquoi nous avons mis mettre deux à guerrier tout seul. Nous-mêmes nous disons, je vous dis à l'éclair, une alliance objective entre ensemble de monde qui a simé la trouble dans le quartier populaire, malheureusement avec certains acteurs politiques qui affichaient un comportement irresponsable, qui levaient de table dialogue là, et c'est ça. Pour majorité capitale DEA, noté dans la minute que l'on parle. Pascal Abigain, Joshmi, Jean-Baptiste, nous sommes dit à l'heure qu'en face là, poser démission Ariel Henry comme condition pour eux-mêmes, ils sont capables de chita ou bientôt, c'est un passage obligé à solution à la crise là. Qu'on y a pas me dit non. De l'autre côté, nous apprenons tout que nous-mêmes, non pas dans la logique. Pour ta gagner un autre gouvernement avec un autre premier ministre dans tête li. Est-ce que nous tous les deux pas essayer tirer code là en fonction de intérêt par nous en fonction de ça nous voulons en fonction de ça nous besoin. Et deuxième élément de question on capable faire nous faire d'une pierre deux coups. Est-ce que moun sa aujourd'hui à qui a réclamé démission Ariel Henry et qui croit que pas aucune solution possible avec docteur Ariel Henry dans tête au gouvernement, là on considère que ça fait déjà 2 ans depuis docteur Ariel Henry t'a gagné chance. OK, pour te faire la différence à travers gestion li dans notre pays, mais malheureusement situation allait de manière comme on dit ça, c'est détérioré la détériorer, c'est plus mal la vienne plus mal. Donc est-ce qu'on y a là ou baba moun za raison pour dire oh en solution à crise là, mon cher faut qu'il passe nécessairement par démission Ariel parce que Ariel qui sauf pour te font bagarre là pendant 2 ans, li pas fait, ba la vienne plus mal donc faut bon l'autre monde. Merci Johnny. Premier élément question 1. C'est par rapport à nous-mêmes qui dit que nous ne voulons pas. Écoutez, moi-même, papi, j'ai perdu de vue processus négociation. Processus négociation commence son côté. Là, nous sommes son côté. Là, nous sommes arrivés à Jamaïque. Tout le monde est exprimé à la bonne de situation. Nous ne sommes pas arrivés dans notre situation. Nous sommes capables de faire des propositions. Clarence, on doit réunir porte-parole du groupe des 8 à Jamaïque. Si vous voulez un collège présidentiel, nous-mêmes au niveau du 21 décembre, nous disons nous voulons l'élargissement du Haut Conseil à 5 membres. Collège présidentiel 5 membres, assez élargi 5 membres. À un certain moment, le colonel Imler Ribu m'a dit, Joshmi, il ne s'agit pas de l'appellation, il s'agit du pouvoir qu'on va accorder à cette structure. Nous autres du 21 décembre, nous disons, si c'est pouvoir à accorder à qui est important, eh bien, pour qui ça nous va garder mission qui s'est prérogative à CTA. Faut qu'il y a dégradation question de Johnny Ferdinand. Les bonnes questions que c'est nous camper son position. Nous ne pouvons pas dire ça que nous tenons une dynamique de négociation. Négociation, c'est que m'a mettre des éléments sous table là, ou mettre des éléments sous table là, m'a faire concession, m'a faire concession jusqu'à ce que nous venons le juste milieu. Mais on va garder processus là, je vais décliner. Chaque fois que nous venons une situation, un petit blocage, nous-mêmes, 21 décembre, nous faisons concession. Et puis, nous avons serré boulon, il y a serré boulon. Jusqu'à ce que nous arrivions dans l'extrême, quand nous disons bon là, on a nous serré boulon, il y a assez. Il n'y a pas de comprendre, on est chrétien, oui. Eh bien, démission pour le ministre Ariel Henry. C'est un jeu qui était bien planifié. Et je dis à nous déplorer. On n'a pas besoin de ça. Je te dis pas de j'aime de bonne posture jusqu'au bout de par rapport à rien. Parce que si nous avons une position jusqu'au bout de par rapport à un bagage, l'heure où tu dis même qu'il voulait gagner plus de pouvoir au niveau de la structure qui va apporter l'équilibre au niveau de l'exécutif. Nous ne pouvons pas dire nous d'accord pour nous garder mission et prérogative au conseil. Donc, c'est pour moi dire que je dis, stratégie ça, c'est vous qui mettez le point de rupture là, c'est vous qui dit yo pas dans négociation encore, parce que gagnez un interlocuteur, vous dit yo pas par la veine pour quitter le pouvoir. Et puis deuxième élément question, c'est 2 ans. Mais là, nous finissons le 21 décembre. Nous installons HCT. Pendant que nous installons HCT, nous avons protesté au dit à quoi abalage. Parce qu'il y a tel monde qui passe. Il y a des monde qui passe, c'est parce que vous n'avez pas accepté. Si vous n'avez pas accepté, à quoi t'as bon? Parce que vous avez voulu ça à un certain moment. Mais comme vous parlez là, et que vous faites accepté à ça, vous acceptez ça pas bon. Mais pour nous-mêmes, nous montrer nous de bonne foi comme monde qui finit à quoi? C'est parce que Joshmi Jean-Baptiste, parce qu'elle a bien signé à quoi? À quoi? C'est 100% bon.
tout accord qui sont revus. Mais la plus forte, elle nous dit, un bail mis ça au bénéfice du doute, on nous essaye pas là avec eux. Nous, on y fait dans la guerre du seul. Nous, on a radio à chaque matin du lundi au vendredi. Nous, on tout petit la situation déclinée à chaque fois, mon processus, monsieur Damio, jouons nos formules pour nous mener nous dans le coin jusqu'à ce que nous mener nous dans la falaise là. Je dis à nous-mêmes, comme citoyens qui signent à quoi, d'accord que pays en une situation difficile, nous ne pouvons pas fermer pas de dialogue. Mais il faut que nous y vont côté, nous dit l'exécutif, le gouvernement, le premier ministre Ariel Henry, ses partenaires, nous dit pays, c'est sous responsabilité nous liés. Faut pendant que nous quittons pas de dialogue là l'ouvrir, bien entendu sous leadership au Conseil de la Transition, hein, nous-mêmes nous assurons le gouvernement parce que Pascal se dit très clairement, invasion gang, non, mais c'est son bail classique, vous n'importe si mon troisième, quatrième secondaire expliquer ça, oui, gang après espace, gang yo dit à passer de l'État, il a crasé l'État, à un certain moment, il a crasé l'État, il a crasé le ministère, par les justices, il a crasé par les nationales, il a crasé par les... Qui moun qui perd du pouvoir, par là, qui moun l'a bénéficié, ceux-là qui sont en face. Oui, mais pour avoir une responsabilité pour établir l'ordre, c'est voilà qui ça pourra faire. Un guerrier tout seul, Johnny Ferdinand, voilà pourquoi je dis, hein, nous autres, votre dialogue a été ouvert par rapport à la société qui ont rôle important pour jouer la question ça. Le Premier ministre et son gouvernement, le remaniement, les questions relatives à l'implémentation de l'accord, il faut que désormais vous venez sous table là, pour que vous capables d'assumer responsabilité. Parce que chaque sac a fait, depuis le bien fait, c'est pas pouvoir, depuis le mal fait, c'est pouvoir. On a conclu, monsieur. Bon, moi, ma conclusion, moi, j'ai des acteurs, malheureusement, qui sont très contents. Et qu'a fait véhiculer un narratif à travers certains médias en ligne que la CARICOM a échoué. Moi, je pense que ce n'est pas la CARICOM qui a échoué, ou bien ce n'est pas la CARICOM qui va échouer. Parce que ce n'est pas Trinidadien qui a pris un balle à sous-feuille. Ce n'est pas Jamaïcain qui a quitté Caillou un peu partout à travers le pays. C'est Haïtien. Donc, je dis, c'est nous-mêmes qui avons responsabilité. Au-delà même de la médiation assumée par la CARICOM pour nous joindre en entente. Et il est clair que moi-même, c'est vraiment la mort dans l'âme que m'a parlé matin. Hein. Le où est, il y a un ensemble de monde qui a fait politique, maintenant tête. Yo. Tout autant situation peuple à pinois, c'est tout autant yo même au niveau politique, il y a des arguments pour avancer. C'est tout autant le même au niveau économique, il y a des arguments pour continuer à faire beurre. Moi-même, ça m'a dit, je ne suis pas découragé. À certains moments bien spécifiques dans l'histoire peuple, monsieur, il faut qu'il y ait des gens qui assument les responsabilités. Moi-même, avec Joshmi, nous avons des ans et des ans à parler dans la radio. Nous ne pouvons jamais parler pour nous battre bravo pour nous. Mais nous parlons ça nous croit. Nous parlons ça nous croit qui est vérité. Je vous dis, l'éclair, pas de dialogue là toujours, oui, mais parallèlement, comme Premier ministre, capitaine des émissions, et comme après émission, nous sommes capables de possibilités pour nous parler ensemble avec elle, le message est clair. Nous devons avancer parce que tant haïtien, il prend acte. Ce n'est pas nous-mêmes du blocage là. Nous devons avancer. Et demain matin, il ne faut pas dans quel prétexte, entendre X, entendre Y, entendre Z avant d'agir. Parce que tout autant que nous nous appliquons dans une situation pour ne pas agir, parce que pas de chute à sous table là, population qui a suivi là, c'est pouvoir la baille payer pour casser là. La facture salée de immobilisme parce que vous attendez l'autre monde pour dialoguer. C'est pouvoir. À 30 secondes, monsieur. Il est clair que nous devons avancer. Il est clair que nous avons l'obligation historique pour avancer. C'est pas parce que nous méprisons mon qui parle de la même genre, mais c'est parce que nous refusons systématique pour chute à sous table là, parce que nous avons au coin. Depuis que chita sous table, il est affaibli. Depuis que chita sous table, il y a apaisement. Et depuis qu'il y a apaisement, ça a fait un échec de l'agenda politique macabre que vous avez pays. Monsieur, en 30 secondes, vraiment en 30 secondes pour nous finir. Jodi à là, est-ce que nous sentons nous confortables? Et là, m'a parlé de nous-mêmes personnellement, Pascal Adrien, Joshmi, Jean-Baptiste, non seulement par rapport avec Jean-Ariel Henry qui a mené le pouvoir, mais tout nous. Tap défendre un accord global depuis avant nous t'as signé document 21 décembre. Nous lis document mouvement national. Je vais répondre sans embâche. En vraiment 15 secondes, pour je ne suis pas 15 secondes tout. Eh bien, pas de problème. Jodhia. Un accord global nous t'as défendre Jodhia et puis qu'on y a là. T'as le Pascal. Avant nous t'as défendre un accord global. Bon, accord global, la vle dit, ça vle dit, tout le monde a donné la trier. Mais Jodhia là, tout le monde est nous comme défenseur accord 21 qui c'est en 21 décembre, qui sont accords qui vle dit, ça vle dit.
est-ce que c'est 21 décembre qui vient à Accord Global 25 l'année que MNT, qui c'est Mouvement National de Transparence, merci pour la question. Ça qui est clair pour tout le monde, pas de quel haïtien dans le moment que je parle là, que vous êtes en Haïti, que vous êtes à l'étranger, pas de quel patriote vous dire qui est capable, confortable dans l'état de précarité, dans l'état de dénuement extrême, dans l'état de non-état que nous tombons là. Depuis comment c'est sous Johnny, passé par Pascal, passé par Joshua, pas dans quel monde vous dire, y compris le premier ministre Ariel Henry, pas dans quel monde vous dire, qui est capable de frapper l'estomac pour nous dire confortable, ça c'est un. Deuxièmement, accord global 25 l'année, mais rendez-moi fou, sage. Même le, moi pas d'accord avec un pire bagaille que je dis, le docteur Schiller lui dit à l'heure, il a parlé de politique publique, là, il a parlé de l'exploitation. Ressources minières que nous avons dans le pays, etc. etc. Soit encore global pour bailler. Pour nous mettre d'accord sur priorité de développement national au-delà des divisions politiques. Mais en attendant, pour que je dis à nous commencer à implémenter le développement tout bon vrai, bon accord conjoncturel que nous avons besoin, pour commencer d'abord par organiser l'élection, pour commencer d'abord à gagner des gens qui viennent diriger le pays sous base mandat populaire. Donc, pas de quelle contradiction, pas de quelle antinomie entre accord global que nous continuons à parler de l'IA avec accord conjoncturel que le pays s'attend dans le moment que nous avons parlé là. Au contraire, une complémentarité entre eux. Faut nous passer cap transition politique là d'abord pour que transition démocratique là, nous arrivions à faire de l'union réussite à travers des objectifs que nous avons étalés au-delà du mandat présidentiel de 5 ans. Donc, je dis encore, nous étions accrochés à cette vision moderne de l'accord global que nous avons parlé. Mais pour arriver dans l'implémentation chantier pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, dans la minute même que nous avons parlé, il faut un effort de dépassement de soi pour nous joindre à un accord conjoncturel, pour nous joindre à un accord politique. D'accord. Merci à Pile, Pascal.